Eh bien salut à tous, c'est Schizophaf, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Farming Simulator 2019. J'espère que vous allez bien. Moi c'est la merde. J'ai enregistré un épisode il n'y a pas plus tard que mardi soir pour vous sortir mercredi comme je vous l'avais promis. Mais cet épisode a été dit que ça merdait. Alors je sais pas pour certains s'ils connaissent un peu les logiciels Fraps et tout ça, mais mon Fraps marche plus en fait. Donc j'ai enregistré un épisode dans le vent. Donc dans cet épisode, j'avais tout simplement redonné à manger aux animaux, hein. Tout simplement, on avait acheté la sarcleuse. C'est pour ça que je suis descendu un peu en dessous, je vais vous montrer. On va faire un petit récapitulatif de l'épisode perdu. Donc j'ai acheté cette petite sarcleuse, mes deux tracteurs sont gentiment ici. D'ailleurs, il va falloir revenir sur celui-là. Et nous avions passé un coup de sarcleuse dans le champ en bas, parce que le champ en bas, bien sûr, il y avait besoin d'un petit coup de sarcleuse. Et nous avions dit aussi dans cet épisode fantôme, que nous allons jouer un peu plus roleplay. Donc, j'ai pas encore téléchargé les mods pour attacher manuellement. Je vais commencer à me préoccuper de ça ce week-end. Donc, bah, quand vous aurez la vidéo, ce sera vendredi, je suppose. Elle sera pour deux, pour voilà. Du coup, j'ai retourné pour jeudi. Voilà, j'ai tourné jeudi. Hein, donc, je suis désolé. Du coup, vous avez un épisode de trou. J'essaierai de me rattraper. J'essaierai de voir si ce week-end, vu qu'il flotte, la flotte arrive. Donc, je serai pas sur le toit. Donc, je vais pouvoir claquer un peu plus de vidéos. Je pense que ça reviendra un peu plus au calme. Et bien sûr, bah, je vais pouvoir tout simplement faire ce que j'avais envie de faire. Donc, je vais télécharger 2-3 modes un peu plus RP, histoire de faire un peu plus réaliste. On va essayer de faire un peu plus de vue d'intérieur. Hein. Je vais écouter ma communauté. Et on va essayer de faire quelques trucs assez sympathiques. Donc, j'espère que mes problèmes d'enregistrement seront passés. Pour ceux qui auraient une solution pour Fraps, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires. Parce que moi, depuis quelques temps, Fraps ne fonctionne plus. Mais quand je dis plus, c'est plus du tout. Il m'enregistre un fond noir, que ça soit en plein écran ou en petit écran. Donc depuis la dernière mage Windows, je me suis tout simplement fait avoir. Hop, on va laisser bien sûr notre petit Renault ici. Ce qu'on va faire bah, dans cet épisode, bah, qui devait être pour ce week-end, bah, qui va être pour ce week-end? On va faire du foin. Un tout petit peu de foin. Alors déjà, on va faucher, tout simplement. On va faucher. Et on va pas faner. Il y a un côté que je vais pas faner, j'ai un autre côté qui va faner, mais il y a un côté que je vais pas faner. Pourquoi? Tout simplement, déjà, il faut que je regarde. Et putain, il freine pas. Il faudra que je regarde le mode saison de plus près. Regardez s'il flotte pas. C'est pareil, j'avais une botte de foin ici. Je voulais la remettre là, mais elle a disparu entre deux. Donc du coup, j'en ai racheté une et j'ai remis dedans. Le foin qui est dans le champ, eh ben, il n'est pas pris en compte par le mode pour dire que ça remplit la gamelle. Hein, si je vous regarde, on va aller recarter vite fait les moutons. Ah, j'ai plus de poules. Ah si, les poules sont en bas. Ça y est, les moutons sont remontés, les poules sont en bas. Ok. Vous voyez, je suis à fond en flotte, mais je suis plus à fond en herbe. C'est tout là, il me reste ce que j'ai. Donc vous voyez, la santé des moutons, c'était temps que j'arrive parce que vous voyez, il y avait plus grand chose en santé. J'ai failli perdre mes moutons. Ça devait être le titre putaclic de ma vidéo, mais du coup, il n'y sera pas. Ça sera, on fait du foin pour nos moutons et pas nos vaches. Hop, pardon. Hop, on va avancer. Du coup, je vais reprendre bah, tout ce que j'ai besoin. On va essayer de se taper un petit peu de foin. Parce qu'on s'était dit dans cet épisode qu'on ferait du foin. Allez, la grille, la barrière. Merci. On va pas. Enfin, je vais prendre la faneuse à l'arrière, mais je vais pas m'en servir. Parce qu'on va faire une partie. On va partir avec une partie fanée. Et une partie sans faner. Avant de partir, oui, il faut que je regarde s'il flotte pas. S'il flotte, je suis un peu couillonné. Hein, s'il flotte, je vous le dis carrément. On va être dans la merde. Sinon, on va le perdre, le foin. Donc, voilà. Donc, on va regarder. Alt S. Qu'est-ce qu'il nous prévoit comme temps? Donc en sachant que normalement il faut, je sais plus, il faut 12 heures je crois pour que ça fane. Il faudra que je re-regarde sur le mode saison, on va regarder ça de plus près. Donc aujourd'hui, vendredi, il pleut vendredi à partir de l'après-midi. Vendredi après-midi, il pleut. Donc automatiquement, aujourd'hui c'est bon. De toute façon, on est dans le matin je crois. Oui, on est à 9 h. Faut que je regarde le mode saison pour savoir exactement quand il pleut. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas là-dedans. C'est pas là-dedans. C'est là-dedans. On va dans Aide en descendant le mode saison. Tout, tout, tout. D'hiver.
Saison, effet saison, sol, culture, introduction, culture érable, un foin paille, voilà. En hiver, l'herbe est ramenée à son stade de récolte, on s'en fout, les balles pourrissent graduellement et disparaissent après 2 jours, peu importe où elles sont placées. Ok, bon, c'est pour ça que je me suis fait bouffer ma botte de foin. En plus, je vous avais demandé pourquoi, mais en fait, j'ai compris maintenant. Donc, si on fait des bottes, on est en train de guillemets niquer. Ok, pour éviter la pourriture, les balles doivent être utilisées en enrubanné. Une fois enrubannées, elles se transforment en balles d'anciage après un quart de saison, enfin un tiers de saison. Ok, les andains et les tas d'herbes commencent à réduire et finiront par disparaître après plusieurs jours. Les andains et les tas d'herbes sont réduits tous les jours à minuit. Ok, les andains et les tas de foin de paille sont réduits après avoir été exposés à la pluie. Ok, ça c'est normal. La paille et le foin doivent être mis en balle avant de pouvoir être vendus. La paille et le foin en vrac ne peuvent être vendus, seulement donnés gratuitement. L'herbe en balle en vrac ne peut pas non plus être vendue. Ok, vous avez décidé de nous faire chier. Alors attends, du coup, ce que j'essaye de faire, les andins en tas d'herbes commencent à se réduire et finiront par disparaître. Donc là, on n'est pas en andin. Ça me donne pas plus d'infos sur ce que je veux savoir. L'herbe à ramener. Alors dites-moi en commentaire pour ceux qui connaissent le mode saison, Cédric d'ailleurs. Il va falloir que je t'attrape aussi pour la vidéo avec le courseplay. Je vais commencer à l'intégrer, on va regarder ça. Vous me direz en épisode, en commentaire, pardon, en épisode. Vous me direz en épisode, j'en veux à dire épisode, hein, vous l'entendez. Vous me direz dans les commentaires comment je peux faire. Tout simplement pour faire du foin sans la faneuse. Parce que vous étiez nombreux à me le dire. Il faudrait que je check mes messages d'ailleurs. Je pense que si je checkais, je l'aurais. Mais bon, au pire, remarquez-le. Je suis abruti. C'est pas de votre faute. Ce que je dois faire du coup pour avoir mon foin à l'abri, pour faire la réserve et avoir mon foin à l'abri, il va falloir automatiquement que j'ai une sorte de grange. Ça va être obligé. Un stockage d'herbe ou une connerie comme ça. Alors, je suis parti là-dedans, mais je crois que c'était pas la bonne catégorie. C'est pas la bonne catégorie, silo. La grange coûte 90 000. Et on va se détendre. Farm silo, ça c'est pour le liquide fertilisant. Est-ce que j'ai une grange à 150 000, c'est encore plus cher. À 2 millions 5 dedans, hein, non mais plus. Ouais, mais alors ça coûte plus cher. silo, c'est les oignons, les carottes, les choux, ouais bon ça c'est spécial, voilà. Pas chercher à comprendre, peut-être un jour, quand j'aurai plus de sous. Donc là ça veut dire qu'en fait en clair il va falloir que je tape le crédit pour garder mon foin. Ok. Ou sinon je le fais en ensilage quoi. D'accord. Donc en fait je vais faire du foin pour mes vaches et il va me coûter plus cher que. Ok, en plus on peut pas le revendre le foin, donc on est un peu couillonné. Putain, 90 000, mais je vais déjà être dans le rouge, il faut encore que je passe 3 jours, donc je vais prendre 14 000 dans la tête. Putain, je voulais pas faire de crédit, quoi. Alors si je fais pas de crédit, je fais du foin et que je les mets en balles, c'est un peu du gaspillage, parce que du coup les balles, elles restent pas. Balles de foin carré, elles restent pas, au bout de 2 jours, elles disparaissent. Ou sinon, il faut que je les mette en enrubanné. Si je les mets en enrubanné, je vois pas l'utilité, j'ai pas de vache. Puis de toute façon il me faudra toujours du foin pour les vaches aussi. Donc la question est qu'est-ce que je peux faire. Et ben la question ça va être tout bête. Ça va être tout bête. On va faire les essais de foin. Je vais taper le crédit, malheureusement. Hein, on va pas avoir le choix, on va s'endetter. Qui va nous foutre dans la merde pour la suite. Il me faut la grange absolument. Ça va être obligatoire. Le problème, c'est que la grange va me prendre une place certaine et une certaine place. Putain, on peut pas les ranger sans que ça pourrisse. Mais putain, tu les mets dans un hangar, ça pourrit pas, c'est pas normal. Il y a un truc, c'est obligé, tu sais. J'ai zappé quelque chose, c'est pas possible. J'ai oublié de. Je suis sûr, j'ai zappé quelque chose, c'est pas possible. Sol, saison. Saison améliorée, 4 saisons, nanana, nanana, je suis sûr. Effet saisonnier, les heures d'ensoleillement, ça on s'en fout. Prévision météorologique, température basse, on s'en fout. Sol, on s'en fout. Comment j'aurais voulu que mon épisode y fonctionne correctement, ça fait chier. Ça fait chier, outils de mesure divers. Si vous décidez de changer la durée de saison, ça on s'en fout. Bien que ce soit le jour de l'utilisateur de défi, le jour de la saison, ouais, non, ok.
MT9. Ouais, ça me donne pas. Animaux, introduction, production. Les productions d'un animal de sa race et de sa qualité alimentaire. Les vaches doivent avoir des veaux avant de produire du lait. Les poules produisent des œufs. Lorsqu'un coq qui est proche est intéressé, la poule peut couver ses œufs, créant aussi progéniture. Oui, ok, on est d'accord. Écurie, pension, on s'en fout. Économie, les prix de récolte des animaux fluctuent de façon plus réaliste en fonction de l'évolution des saisons. Ceci est basé sur le marché économique mondial. Pas dans la merde. Non. Effet météorologique. L'utilisation d'une faneuse sur de l'herbe humide rendra l'herbe semi-sèche. La chaleur du soleil est nécessaire pour sécher complètement l'herbe en foin. Ok, si l'herbe est sèche au moment de la tonte, le fanage n'est pas nécessaire. Ok, donc il faut qu'elle soit sèche au moment de la tonte. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je claque un coup de beeper pour savoir si c'est sec. On est à 100%, on a un taux d'humidité 7. Donc si je coupe, qu'est-ce que ça donne? Ça va être ça la question. Mais en fait, je vais avoir du matériel pour rien. Si je peux pas le faire en balle, il va falloir que j'achète une grange. Du coup, ma balle carrée, là, elle me sert quoi? Elle me sert à faire des ensilages. Il va falloir que je fasse la balle carrée, l'enroganeuse derrière. Alors que j'aurais pu acheter plus grand. C'est con cette histoire de balle de foin. Je vais attendre votre retour avant quand même de faire une tonne de conneries. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va couper un petit bout du champ. Ah, ça va être beaucoup plus simple. Les V. Voilà. Couper un petit bout du champ, ça devrait le faire. Ça a l'air de faire du foin direct. Hein. Ouais, ça a l'air de faire du foin direct. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est du foin direct. Donc j'ai pas besoin de la faneuse là. Ça va être parfait. Le problème c'est qu'il va me falloir une auto-chargeuse, la grange. Il va falloir que je rentre dans mes sous là parce que je vais avoir des problèmes de sous dans pas longtemps. C'est obligé. Parce que les andins, même si je fais des andins, ça veut dire que les andins ils seront morts dans pas longtemps non plus. Donc c'est bien beau de faire des andins et de dire bah tiens on rapatrie tout, mais si je peux pas faire, attends, il me tortille le cul ce mode de saison. On va se mettre en vie d'intérieur, ça serait peut-être un chou mieux. Ouais, si on se bouffe pas les armes. N'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous faites pour stocker le foin. Si vous avez un mode à partager, pas cher, pas trop cher, on va dire. Mais un truc réaliste. Bâtiment à 90 000, putain, c'est une ferme, quoi. Si vous avez un petit truc assez intéressant pour tout simplement le foin, n'hésitez pas à me le balancer en commentaire. J'accepterai même ceux qui sont passés en spam, les liens qui sont passés en spam. J'hésiterai pas à les accepter. Donc là, qu'est-ce qu'on pense comme budget? Putain, il va falloir une auto-chargeuse, il va falloir une grange et une auto-chargeuse pour faire du foin. Donc je pense qu'on va le faire en deux parties cet épisode. Je vais faire un petit épisode voilà foin où je vous ai expliqué un peu ce qui a cartonné dans la dernière vidéo. Je vais attendre vos retours commentaires, ça sera pas mal. On sait jamais. S'il y en a un qui a une bonne idée et qui a des modes qui vont bien, ça pourrait être sympathique. Ça pourra rester par terre, hein, c'est pas grave, on va pas avancer le temps des masses. Et puis derrière, on pourra dire de pouvoir tout simplement essayer de faire ce qu'on a envie par la suite. Et voir si. Parce que là, ça nous rapportera rien en fait. Les moutons, le foin, ça nous rapportera que dalle. Mais quand je dis que dalle, c'est vraiment que dalle. Quoi. Ça nous portera rien. Alors toi, tu m'emmerdes la terre, voilà. Un peu plus d'espace, s'il vous plaît. J'ai pas besoin d'une tonne d'informations pour faire du foin. Bon, il faudrait pas que j'en oublie à côté, quoi, c'est tout. Attention le mouton! Alors, je veux pas être RP, mais le mouton, je vois bien qu'il se pousse. Le problème, c'est que les moutons se poussent pas. Eh, bouffe pas mon foin, le mouton, hein, tu te calmes. Mais ouais, c'est vrai qu'il est devenu quand même bien compliqué cette histoire de mode saison qui est bien tordu, qui fait bizarrement. Enfin, il fait des choses bizarres quand même parce que techniquement, si j'ai une balle de foin à l'abri, je veux dire, les agriculteurs l'ont pas en vrac dans un silo quoi. Ils les ont bien par terre, entreposés à l'abri, au sec, bien sûr. Mais il doit bien avoir un endroit où on peut stocker le foin, donc ça devrait être faisable. Je vois pas pourquoi ça ne serait pas faisable.
Donc bah je verrai vos retours commentaires, hein. On en reparlera, de toute façon on aura le temps d'en reparler. Je pense que je vais faire un petit épisode. Alors si vous l'avez pas à vendredi, c'est que vous l'aurez eu jeudi soir. Parce que c'est à l'heure où je le tourne, vu qu'il sera pas long, j'aurai peut-être possibilité de dire, de vous le claquer tout de suite. Si je l'ai jeudi soir, ça veut dire que dans le week-end, je vous referai un deuxième épisode farming sur la suite de cette partie 1. Et on essaiera bien sûr de claquer tout de suite un autre épisode. Et mercredi, j'essaierai de vous claquer un troisième épisode de suite. Donc ça vous fera plaisir, ça vous fera beaucoup d'épisodes à la suite. Ça vous fera plaisir. Pour information, je suis en train de filmer aussi Warship. Pas Warship, excusez-moi. On fait Warship, les Clan Wars c'était fini, c'est ça que je voulais vous dire. Donc j'ai plus de temps pour moi. Et Roro va pouvoir commencer ses Satisfactory, donc ça va pouvoir être intéressant. En parlant de Satisfactory, je vais revenir sur mon nucléaire que j'ai à faire. Ça y est, j'ai enfin trouvé le chemin en offline. Je me suis fait des petites balises pour le repérer. On va pouvoir commencer à faire ça. Alors je pense que je le ferai en live ce week-end aussi. Je pense que ce week-end, je serai très présent. Et bien sûr, j'ai toujours mon Forza Horizon. Si j'arrive à trouver un logiciel pour capturer Forza Horizon, eh ben, je vais pouvoir vous faire du Forza Horizon 4 pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent pas, ben, vous allez pouvoir découvrir un jeu de voiture en saison, qui est saisonnier aussi. Donc on a l'automne, le printemps, l'été, l'hiver, hein, qui est assez sympathique. Où la conduite est un peu perturbée ben, par ces fameuses saisons, quand il pleut, quand il fait beau ou quand il neige. Donc ça pourrait être intéressant, ça fait un peu un rapprochement avec farming, je trouvais ça intéressant de vous le vous le filmer, enfin de vous le montrer, et puis c'est un jeu que je kiffe particulièrement aussi, et que j'ai pas énormément le temps de le tryhard, parce que bon, bah voilà, je suis beaucoup sur farming et en vidéo, donc j'ai pas le temps de tout faire, mais ça va être une petite partie intéressante, une petite nouvelle série, on va dire, le temps d'avoir des mises à jour de Satisfactory, et de pouvoir faire le café avec ça. Ben donc les amis, sur ce, je vais laisser le tracteur là, je vais faire la petite sauvegarde, voilà, sauvegarder, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment je peux garder le foin, si vous avez des mods, bien sûr, des mods qui peuvent être intéressants pour bien sûr, le tout simplement, pour stocker le foin, si vous aurez des mods, avoir anticipé certains mods, n'hésitez pas à me le mettre dans la description de vidéo, je vous ferai même une petite pub si vous êtes modeur et que vous avez créé quelque chose. Je vous ferai, voilà, je vous mettrai le lien de, voilà, si vous voulez faire une promo, c'est le moment. Je marche avec quelques-uns modeurs, donc s'il y en a parmi ma communauté qui voudraient me faire une petite grange pas chère, dans les 25-30 000, un truc de raisonnable, quoi, une grange, quoi, pas un bâtiment, pas une maison, quoi, pas une ferme qui coûte 250 000 euros, une petite grange pas chère, ça serait sympathique. Donc les amis, j'espère que ça vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à me répondre en commentaire, surtout j'insiste, et je vous dis à la prochaine à l'Esquizofaf, et ciao, bonsoir.